Bonjour, bonjour, ici Sir Bryson pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode du Donjon de Nalbuck. Alors j'ai bien lu les commentaires de la semaine dernière et effectivement le son était encore assez timoré. Mais j'avoue que le jeu est un peu compliqué à régler au niveau du son. Les autres jeux c'est assez facile. Et là je ne... En fait le jeu a tellement de pics sonores. Il est pas plat au niveau du son. Enfin c'est assez compliqué à gérer. Merci. Voilà, par exemple, il y a l'ogre là qui essaie de papoter. Donc c'est assez difficile de gérer le son correctement, j'avoue. Donc j'espère que là le son va aller beaucoup mieux. Et je m'excuse encore pour les autres vidéos si le son était beaucoup trop bas. J'espère au moins que vous avez pu suivre les blagues qui avaient été dites dedans. Bon alors, on en était où? On en était où? On en était... ouais, il y a un truc juste à côté du barbare. Ouh là, il y a même deux. Ouais, bah, il faut bien les tuer, hein. On va bien les tuer un par un, hein. Voilà, puis en plus, comme ça, toi tu joueras pas. Et je vais prendre ta place face au monsieur. Salut, je suis le ranger de Loubet. Yeah! Eh ben, salut le ranger de Loubet. Hop, on va tuer ça. Échec C'est critique. quoi cette daube? C'est pas vrai! Échec critique! Bon, alors le nain, lui, il a la particularité d'être bien dans le. Dans la mousse. Tac. Paf! Dégage! 88 précision, en précision quand même, 88. Vous voulez que je fasse quoi à ce niveau-là? Et lui, il est empoisonné en plus. Allez, tape sur les deux. Voilà. Il les a étourdis. Ça, c'est bien. Ça, c'est un bon gars. Tac. Ah oui, en plus il empoisonne. Et il bouge pas, hein. Je vais pas avoir le droit à des attaques d'opportunité. Ah, une petite attaque d'opportunité, c'est toujours bon à prendre. Ah, ça. Bon, c'est juste une. Un prêté pour un rendu, du coup. Tac. Non, là ça va être attaque au corps à corps. Hey, je peux le tuer. C'est bon. Lui, il est mort. Il m'embêtera plus. Hop. Le voleur qui a la particularité d'en avoir deux sur le dos. Hop. Tac. Voilà, c'est comme ça qu'on fait en groupe. Voilà, ouais, si tu veux. Par contre, lui, il ne peut rien faire puisque j'ai celui-là à côté. Coucou. Tac. Non, je peux essayer. Non, je ne peux pas parce que j'ai mis au corps à corps. Ce qui est embêtant. Hop, 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 viens par ici, toi. Ch'touk. Bon, bah, on va taper ça, hein. Yes. Tac. J'ai la bouche pâteuse. Oh, une jolie J'ai attaque d'opportunité. Et il va taper l'œuf dans le dos. Aïe! Ah bah voilà. Alors un peu moins d'expérience, tant pis. Qu'est-ce que je vous dise? Esquive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au bout d'un moment, je peux pas faire de miracle. C'est-à-dire que si je fais des attaques qu'ils esquivent, que les attaques potentielles que je peux faire voilà, comme ça, d'opportunité, je les mets à 2. Moi, je peux plus rien faire à ce niveau-là. Hein. Toi, t'es corps vivant. On va te tuer. Voilà. Ta Merci. gueule. Et on va se mettre là. Pourquoi? Parce que comme ça, s'il y en a un des deux qui veut essayer de... Le tuer, pas de bouger, il sera tapé. Je crois que je suis empoisonné. Ouais, je sais que t'es empoisonné. Paf, toi t'es mort. On n'en parle plus. Non, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir commencer à les tuer. Toi je te tue pas, toi je te tue, bah je te tue. Allez hop. Voilà. Et je te mets dehors.
Aïe. Une chance sur deux. Je vais plutôt me prendre à bouffer, moi. Ah, quoi que non. Non, bon, on va essayer de taper. Eh ben voilà, pour une fois que j'ai de la chance. On va pas bouder. Déroute. D'accord, pourquoi il y a deux monstres encore et ils sont quasiment morts. D'accord, d'accord. Eh ben, je vais me mettre là. Hop. T'approches pas trop quand même, hein. Elle a pas confiance. Tac. Je vais soigner l'elfette. Bah, il s'est passé que tu t'es pris une attaque dans le dos, hein, ma poupette. Le voleur qui va taper dans le dos. Parce qu'il sait faire que ça. Mais il sait bien le faire normalement. 114%. Voilà, ça c'est bon. Et là, le rat, je vois pas comment il fait pour partir. Ouais! Et il est mort, oui! La zone est faite. Ils sont faits comme les rats. Blague, trop facile. On va soigner tout le monde. Hop, et on va prendre ça. Voilà. C'était peut-être pas forcément ultra tout prendre. Ultra. Ils n'avaient pas prévenu qu'il y avait des rats gros comme des sangliers ici. J'avoue qu'ils étaient pas petits. C'était peut-être pas petit au niveau du soin, mais bon, c'est pas grave. Là, est-ce qu'on peut... Oh, une porte qu'on ne peut pas ouvrir, bien évidemment, parce que sinon, ça serait trop simple. Est-ce qu'on peut passer? Non, on peut pas... On n'a pas d'interaction possible. Hop. Oh, bonjour, toi. Regardez, du pinard. Cool. Il faut trouver des crânes d'ennemis pour boire dedans. Mais quelle horreur! C'est comme ça que boit Chrome. Ouais. Et ça doit couler par les trous des oreilles. Du château Trouillac. C'est un grand cru. Il y en a pour une fortune. Faudra faire gaffe à rien casser alors. On pourrait la garder pour nous. C'est pas très honnête. Richesse et honnêteté sont des concepts peu fongibles. On peut s'en désoler, mais le constat est là. Moi, je préfère la bière, mais bon, on pourrait le vendre. Bon, on va déjà sortir de cette cave misérable, on verra après. Ouais. Alors là, on va avoir... Potentiellement, s'il me laisse le choix, on aura le choix entre... le vendre pour se faire du pognon, ou finir la quête pour avoir de l'expérience. Je vais choisir l'expérience. Du pognon, ça, je peux toujours vendre des choses. De l'expérience, je ne peux, a priori, tout du moins, j'ai pas encore fait. A priori, on ne peut pas faire de quête annexe. Enfin, on peut pas refaire des zones pour gagner de l'expérience encore et encore. Donc, inévitablement, va arriver un moment où, on va être sous level, tout simplement, avec le petit poulet qui fait du moonwalk. Oh, c'est tellement mignon, un petit poulet qui fait du moonwalk. Boum 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 boum. Je vais pouvoir abreuver du bourgeois. Vous avez bien mérité un petit coup à boire. Tenez, pour la peine, une bouteille du lot. Et oh. C'est du bon, parole. Le pinard, ça va bien avec les grillades. Par contre, faut pas avoir à rendre justice après. Ça fait ronfler dans les prétoires. Oh, c'est tellement bien parlé. 480 quand même d'XP. Hein. Bon, la dernière nouvelle, on devait aller... Hop, par là-bas. Et on n'a pas gagné de level. Rome n'a pas besoin de carte. Oh, on n'a rien gagné. Je suis tristesse. Botte d'archer rusée. Ah, oh, j'avais acheté la tunique elfique et je lui ai pas mis. Oh, bah oui. Oh, c'est pour moi. Merci. Je lui avais acheté de l'équipement et j'avais oublié c'est de lui mettre. Je suis bien contente avec ça. Tant mieux. Allez. On va aller parler au... À la Bonjour, suite de l'histoire. Maître. Nous sommes des aventuriers et... Je vous attendais.
Ah bon? Oui, je suis Midrantir, archimage consultant. Je possède une capacité intrinsèque de prescience divinatoire subastrale. Pardonnez-moi, mais c'est quoi un archimage consultant? Eh bien, je loue mes services comme conseiller en arcane et art de sorcellerie, mais aussi en démagogie politique et en entropie organisationnelle. Et ça paye bien? Mes tarifs commencent à 5000 pièces d'or par jour. Oh la vache! Ah oui, tout de même. C'est-à-dire que nous avions besoin d'aide et... On va pas lui lâcher 5000 pièces, ça va pas la tête! C'est vrai que cela dépasse un peu nos moyens. C'est efficace votre truc? En tant que ranger, vous devez être adepte du management participatif basé sur la mise en valeur des capacités interpersonnelles de votre collectif exploratoire, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Y a une question dans votre phrase? Je peux vous aider à développer des synergies sur les marges brutes de la mise en œuvre des compétences de combat, afin d'optimiser le retour sur investissement de votre entreprise pluri-individuelle. C'est un sorcier. Il essaye de nous hypnotiser. Bon, je vois bien que vous êtes limité sur le plan pécuniaire. Alors, je vous propose de me rendre un petit service, disons, discret. La discrétion. Oh. Un concept, là encore, peu fongible avec l'honnêteté. Je me suis laissé entraîner dans un processus ludique à vocation pécuniaire au moyen de rectangles de carton illustrés dans un endroit que la morale réprouve. Attendez, apprenez ça par si cœur. Si je comprends bien, vous avez joué aux cartes dans un tripot? C'est simplificateur. J'ai laissé une fâcheuse reconnaissance de dette dans le lieu de perdition tenu par les peaux vertes et sise à la cave du présent donjon. Si vous pouviez éteindre la dite créance par denier, force, ruse ou arcane, je serais votre obligé. Et à combien se monte cette créance? C'est un détail sans importance. Nous ferons de notre mieux, monseigneur. Le mot de passe pour vous rendre au tripot situé dans la cave est Maracas. Je dois souligner que pour avoir notre aide, vous devez également obtenir l'accord de mon autre comparse, le Minster, qui s'est absenté un instant à la cuisine. Quoi? Oh. Un autre sorcier? Oh, ça doit être celui qui est en train de gueuler tout à l'heure. Mais notre troisième comparse mène actuellement une mission en freelance. J'aime pas trop comment ils abusent. Enfin, en même temps, on économise 5000 pièces d'or. Un mot, c'est pas faux. Jean. Il se peut que vous trouviez justement une épée particulière au tripot, avec mon nom dessus. Je compte sur votre discrétion à ce sujet. D'accord. Nous serons muets comme une tombe. Bon, si on regarde rapidement la carte, du coup... Alors, que je mette la carte à jour. On a deux zones. Soit on va dans la cave et on fait la quête du monsieur, soit on a une quête, a priori, au niveau des cuisines. Bon, on va aller faire la quête au niveau des cuisines. C'est juste à côté. Au moins, si après cette quête-là, j'ai du bobo, je pourrais toujours facilement me soigner... Ça sera dans le coin. Non, c'est pas toi. On continue. Eh, oui, effectivement, c'était bien toi. Bonjour. Vous êtes bien le collègue de Midrantir? En effet, je suis le Munster, archimage de la Mimolette et grand framagicien de Fang. Que voulez-vous? Votre collègue nous a envoyé vers vous pour vous proposer notre aide. Ah, intéressant. C'est quoi un framagicien? Je suis spécialiste du fromage, et donc je les collectionne. Je rédige un traité qui sera l'œuvre de ma vie. Wikimambert, l'encyclopédie du fromage. Excusez, mais y a quoi comme rapport entre fromage et sorcellerie? Par exemple, prenez le fromage du lait d'une vache qui a brouté sur les ruines de la forteresse de Xor. Les vers qui s'y développent peuvent servir pour lever une armée de morts vivants. Monsieur Immonde! Ah oui, tout de même. On se rend pas compte. Bon, vous disiez vouloir travailler pour moi. C'est pas comme si on avait le choix. L'idée, c'est de vous rendre un service pour que votre collectif de mages puisse nous aider dans notre quête. Je vois. J'ai justement besoin d'aide. Le chef cuisinier détient un fromage de grande renommée qui refuse de me céder pour un prix décent. Il s'agit d'une meule de fromage de Glarg. J'ai essayé de faire une proposition honnête, mais le ton est monté avec ce gargotier de malheur et... Et vous auriez besoin de parfaits inconnus pour l'en délester par des moyens pas totalement légaux? Les détails pratiques ne m'intéressent pas. Mais si d'aventure vous trouvez ce fromage, je saurai me montrer plus coulant. Plus coulant, c'est de l'humour fromager. Nous saurons aller droit au cœur de la meule. N'ayez crainte. Je vous attendrai au carré VIP avec impatience et pain au noir. Oh là 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 là. Ah, les jeux de mots. Ah, les jeux de mots. Enfin, on y va. Ah, je sens qu'on va
Vous sûr? C'est ça. Alors, non? C'est pas ça? Bon, bah ouais, parle monsieur. Quoi? Que faites-vous ici? Oui! Rassurez-vous, nous venons en paix. La paix, c'est pour les mauviettes. Ah! Oh, les cons, mauvaise programmation. Sans rire, vous avez une arme à poudre? Mais boucle-là! Nous recherchons une meule de fromage de Glargue. Ah, ça? Ben oui, j'en ai. Et du bon. Pure brebis fente sauvage. Et il n'y en a pas beaucoup, croyez-moi. Hein. C'est du clacos de luxe. C'est toujours le coup de massue, les prix dans les gargotes. Il veut nous refiler du fromage de bique avarié. Oh, ouais. Restez poli, hein. Et donc, combien pour cette merveille gustative? Une bourse d'or. Je sais, c'est un peu cher, mais c'est un fromage magique. Et puis, pour la prime, je rajoute un kilo de miel et une miche de pain. Donne ton clacos, ou je te saigne comme un pourceau. Ça recommence comme avec l'autre sorcier fou. À moi! Hein? Non, mais on va pas... Non, mais... Oh non, pas des ratatouilles! C'est une blague! C'est une blague! On va taper ratatouille! Alors, ratatouille, des gobelins, enfin des machins bizarres. On dirait des trolls, c'est des trolls d'ailleurs. Et puis un maître des grillades, donc un magicien très certainement. Bon! Et on a des ennemis à droite et à gauche. le barbare. Ah, je joue en premier. Ça va être intéressant. Je vais mettre le barbare là. Après, toi, tu n'as pas d'arme. Hop. Voilà. Toi, je vais te laisser ici. Toi, je vais te faire aller par là-bas avec le nain. Pourquoi? Parce que le nain va pouvoir aussi faire une attaque de prévention. La magicienne, je vais la faire aller là. Non, là, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Et toi, du coup, je vais te faire aller là-bas. Hop là. Non, là tu vas te prendre une attaque directe. On va plutôt te mettre là. Voilà. Eh ben ça va le faire, je pense. Allez, baston. Ça devrait être assez rapide, je pense. Vu qu'on est les premiers à jouer, je vais pouvoir faire directement tac, tir de vigilance et précision augmentée. À distance, il faut les allumer à distance. Je vais rester ici. Hop. Lui, je vais pouvoir lui faire une attaque justement à distance. Voilà. Toi, je vais pouvoir... Attention, les rats, ça mange les livres. Faire venir ici. Et faire une prière. Ah, pas que non. Hop, on va augmenter la parade. Ça sera mieux. Toi, je vais pouvoir te dire... Hop. Ici. Ah non, mais je pensais pas que tu serais dedans, toi. Ah. Bon, tant pis. Quoi? Ils peuvent... D'accord, ils peuvent tirer jusqu'à... Enfin, ils peuvent passer au-dessus. Toi, tu peux pas... Et toi, je peux te mettre là. J'ai sprinté. Ah, mais c'est pas vrai, j'arrive pas à voir quand il sprint. Hein. Je louche. Ça fait quelques dégâts. Il lui tire dessus. Ça fait combien ça? Bah 16, parce que lui, il va pas esquiver, bien évidemment. Ça serait trop facile. Je vais te mettre là. Et je vais faire une gifle... De... Non, une... un tourbillon d'oisa. Ouais. Chrome sera content. Ouf. Ça c'est intéressant. Tac. Je vais me mettre ici pour être protégé des tirs du monsieur. Et je vais lui balancer des picots. Pour qu'il bouge plus. Toi tu bouges plus.
Et ça met quelques petits dégâts. Oh, résistance physique, il a réussi à passer à travers. Normalement, je devais mettre un dégât supplémentaire. Enfin, une action supplémentaire de. Ah, bah non, c'est bon, ça passe. Tiens. Et évidemment, vigilance, j'ai loupé mon coup. Ça serait trop facile. Sinon. Ah là là. Un troll, il faut viser les yeux. Aïe aïe aïe, lui il se prend des. Il se prend des petites tatanes quand même. Et lui aussi. À moi. Qu'est-ce qu'il va me faire lui? Et qu'est-ce qu'il peut faire là? Ah ouais. Ah ouais. C'est une manière de voir la vie. Pour les grands et les petits. Bon, bah... On va se mettre là. Et puis on va soigner. Bisous. Bon. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye.